Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom, c'est l'épisode de Robocraft, chers amis, avec une crête, donc une caisse gold. Donc pour cette nouvelle journée, cette nouvelle session, je pense qu'on va faire une session de deux épisodes aujourd'hui. Vu que j'en ai un petit peu d'avance, ah oui, avec ce robot qui est complètement pété. Pété de chez pété. Toi, tu as combien de flops en avance? 6. Ça pourrait être intéressant de faire évoluer ton sniper au fur et à mesure. Alors. Nous avons actuellement un sniper qu'on a en 2 exemplaires qui prend un total de flops de 18. Le prochain prendrait 22, l'autre prochain 26. Est-ce que je peux placer le prochain à 26? Non, il me faut un point supplémentaire. Donc pour l'instant, on va rester avec celui-là. Eh bien écoutez, je pense, chers amis, qu'on va partir avec ce robot pour le début. Ensuite, on finira avec notre Worm. Je vous rappelle que tous ces robots, normalement, sont disponibles dans le shop sous le nom de Marcus Bonus, normalement. Hop, voilà. On retrouve donc un certain nombre de mes robots. Le Marcus Bonus Gundam qui était présent, hein, déjà à l'époque. C'est rigolo qu'il y soit en deux fois, d'ailleurs. Donc, ah oui, il y a celui avec les grosses SMG, excusez-moi. En train de comprendre un petit peu ce qui se passe. Hop. Et celui avec les petites SMG, normalement. Je sais pas si c'est vraiment ça. Apparemment, oui. Je vais dire que oui, sur le principe. Il y a donc mon Eagle qui est présent plusieurs fois aussi. Hein. Bon, voilà. Le premier mecha, celui-ci. Donc, vous voyez qu'il y a des prix quand même qui sont quand même assez importants. Celui-ci qui a disparu maintenant, hein, soyons honnêtes. Hein, il a complètement disparu, ce robot. Il a complètement disparu. Bref, voilà, on se retrouve tout de suite, chers amis, à tout de suite. Hop et hop. Re, chers amis, donc, on va pouvoir mettre à profit ce robot à nouveau. On verra bien la cadence de tir de ce sniper aussi, ça m'intéresse. Il ne fera pas énormément de dégâts, mais s'il peut tirer quelques armes à l'instant T, ça m'intéresse. L'avantage en plus, c'est que son placement fait qu'il va être assez efficace en tant que snipe directement. Hop, je l'ai vu, effectivement, bien vu. Hop, 3, 4, 5. Ok. Hop. Raté. Ok. Ok, ça fait un paquet d'ennemis. Pourquoi pas? Dommage, raté. Ok, vas-y, prends la tour. Alors, certains d'entre vous m'ont dit, chers amis, que mes boosters ne servaient à rien. Alors, effectivement, en début de partie, ils ne servent strictement à rien, ces boosters. Hop. En début de partie, ils ne servent à rien. Je vous le cède, chers amis. Mais au niveau, à partir du niveau 9, vous verrez que ces boosters deviennent extrêmement utiles. Et quand je dis extrêmement utile, je parle bien sûr d'une utilité qui est encore plus importante. Et donc une efficacité plus importante encore que celle de mes jambes. Nous avons 2 tours sur 3. Et nous faisons attaquer. Ok, il a bougé dès qu'il était spotted. Bonne manœuvre. Je peux pas tirer de là. Ok, c'est chez nous. J'ai pas envie de me faire tirer dessus. Hop les. On va y aller comme ça. On peut voir que le rechargement se fait de plus en plus vite. Ce qui est une très très bonne chose. Oula. Ça c'est un tir de sniper qui fait extrêmement mal. Ok.
Raté. Dommage. Par contre, on a perdu toutes nos autres tours. Hein. Donc ça, c'est problématique. Hop. Ah bah si on se fait heal, par contre, c'est bon. Ah mince, j'ai raté mon tir. Hop. 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 Est-ce qu'on se fait toujours heal ou pas? Mince. Continue à me heal. Encore un peu. Ok, on y va. On est que niveau 3? Ok, il faut qu'on bouge. Hop, on est que niveau 3, c'est pas bon. Quoi? Ok, on va se faire défoncer. Voilà. C'est pas grave. C'est pas grave. Ok, bon. Il est temps qu'on se réveille un petit peu parce que niveau 3, c'est pathétique. On a pas... J'ai pas été habitué à ce genre de... d'action. Alors, faut dire qu'il fait tellement de dégâts, ce snipe. Hop. Rappé. Ok. Comment ils peuvent m'attaquer aussi vite avec mes adversaires, avec mes alliés, pardon. Hop. Oh là là. Hop. On a été spoté par un ennemi qui nous voit. Alors ça, vous voyez, ça je comprends pas. Ça, qu'un ennemi volant puisse me sniper, je suis pas d'accord. Petit coup de heal me ferait pas de mal. Recule. Merde, j'ai pas réussi à toucher la patte. Là on rush. Hop. Hop, dégage. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Pourquoi vous vous barrez? Le mec, il se balade de l'autre côté de la... Bon, par contre, on est pathétique au niveau du comment du niveau. Hein. En même temps, je ne peux strictement rien faire. Ok. Voilà. Ok, dégage. Dégage. Yes! Là, vaut mieux se barrer. Je ne peux rien faire dans cette game.
Hop. Hop. J'ai plus de snipe. Ok. 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 Oh, il se fait heal. Oh, la gueule. Il y a aucun endroit où on est safe. Il y a aucun endroit où on est safe. Il y a tellement de snipe dans l'équipe adverse qu'on ne peut rien faire. Bien, bien l'équilibrage. Bien l'équilibrage du jeu. Non, non, franchement, là, c'est génial, hein. Je m'éclate. Oui. Mais casse-toi ! T'as plus d'armement ! Voilà. Oh la gueule, on n'a pas plus d'armement l'un que l'autre. Ah mais non, mais c'est pas la peine. À partir du moment où il y a une équipe qui a cette colline là, donc potentiellement l'équipe qui a la truc devant, on ne peut rien faire. Bien, bien, hein, franchement bien, bravo. Hein. Bravo, bravo, ça, c'est mon premier épisode, je rage déjà, c'est génial. Ah. On ne peut pas gagner. Parce que tout simplement, la montagne du milieu a accès pratiquement à toutes les tours. Hop, dégage. Ouais, c'est la fête. On peut prendre aucune tour de manière complètement safe. Voilà. Ah non, c'est génial, hein. C'est vraiment génial, hein. Cette carte. Voilà, je le dis. Hop. Et vous voyez là, les propulseurs fonctionnent, hein, chers amis. Hein. Oh non, je suis désolé. Mais putain, mais... Allez, non, bah non, ça veut pas. Je vais péter une durite. Je vais péter une durite. Bref. Cette carte est naze. Hop. Putain. Ça me saoule, je suis désolé, chers amis, ça me saoule. Il y a aucun moyen en fait de. À partir du moment où il y a 3 snipers sur la tour là, c'est fini. Vous ne pouvez plus rien faire. Il y a quasiment aucun délai entre chaque tir. C'est une boucherie. Oui. Oui. Oui.
me saouler, bande de putain de campeurs. Voilà. Ah, j'ai pas eu le temps. Dommage. Dommage, dommage. Ah là là. Ça me saoule, mais à un point, ce genre de choses. Oh là là. Oula, je reçois non, mais des messages, ça va pas le faire. Wouhou! C'est quoi ces trucs là? Football helmet, mech nose, d'accord, des cubes en verre, génial. Et un électroshield left. D'accord, ok, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Potentiellement multiplier les snipers pour en avoir au moins 3 ou 4 serait peut-être une bonne idée. Donc peut-être garder le petit snipe pour ce robot. Il y aura des améliorations au niveau aussi de ses équipements. Il y aura sans doute la suppression d'un fameux propulseur. Il faudra qu'on voit quand on aura atteint le niveau 150 pour voir le nombre de flops qui nous restera si j'enlève certaines choses. Pour y mettre potentiellement donc soit un blink, soit un shield, enfin un module quoi. Quoi qu'il en soit un module. Donc ça, on reverra ça le moment venu. Bon, et bien écoutez chers amis, pour cet épisode, on va partir avec celui-ci. Hop, à tout de suite. Voilà, chers amis, nous voilà repartis avec ce robot. En espérant qu'il soit véritablement efficace. Ah mais arrêtez. Hop. Ok. T'es sérieux là? T'es sérieux? Je te tire dans ton truc et tu... Oh, regardez ça! C'est débile! Tu mets une demi-heure à buter un objet et l'objet est heal en une seconde. Ça c'est débile. Bref. Il y a une ombre, mais je vois pas de quelle arme. T'es sérieux? Mais y'a même pas contact! La vidéo est présente, y'a pas contact! C'est épique! C'est épique! Oh là là! Ce jeu qui se fout de ma gueule! Hop les. Inutilité. On y retourne. Hop. Ok. Faut vraiment que je pense à faire ma vidéo tuto. Ok. On va aller les surprendre un petit coup. Ah oh, mais ça insiste au niveau des textos. Hop. Hop. Ok.
Hop, vas-y, meurs. Ok. On se bourre. Hop, voilà. Quoi? Hop, pardon. Merci pour le heal. On y retourne. Hop, je sais qu'en fait mes propulseurs sont pas assez bons. Chers amis, en fait. Ce qui fait que du coup je... Ah merde, je suis con, j'ai mes modules. Je suis trop stupide, j'ai mes modules, j'y pense pas. Ah. Je suis con, je suis véritablement con. J'y pense pas du tout à mes modules. Ils avaient pas mieux pour récupérer des tours. Heureusement les mecs. Allez. Non, il n'y a pas besoin, excusez-moi, c'est moi qui suis stupide. Mais non! Jouer le ratio, je teste ça. Hop. Ah, là j'ai pas. Ok. On va pas perdre, hein, je précise. Hein. Hop. Voilà. Ce qui me fait défaut, c'est le fait que je puisse me coller au sol en cas de besoin. What the fuck? Ok. La quantité de dégâts que j'ai bouffé. Par contre, ça c'est véritablement laid. Hein. Soyons honnêtes. Est-ce que quelqu'un va prendre une tour ou pas? Oula, bah c'est pas toi qui va y arriver. Hein. Je pense que tu vas te faire défoncer avant. Ah non, il connaît les mécaniques du jeu. Il connaît les mécaniques du jeu, chers amis, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Hop. Oh bah non, j'ai plus de... Il me saoule avec ses mégas, lui. J'ai plus de son dans mon casque. Ok, le son vient de disparaître. Ok. Il vient de se passer un truc au niveau du son dans mon casque. J'entends plus rien. Je crois que l'ampli de mon casque vient de décéder. C'est épique. Hop, viens par là. Ok. Oh non, pas encore toi. Il me saoule celui-là. Par contre, mon casque, ça me fait plus chier. J'ai plus du tout d'ampli dans mon casque, chers amis. Attendez, ça revient. Ça revient. Ça revient pas. Je sais pas si votre son à vous a baissé du coup, c'est chiant.
Là c'est la dèche, hein. Soyons honnêtes, c'est la dèche. Hop. On se retrouve enfin face à face. Non. Il y a du monde avec moi sur le... Hop, il n'y a plus aucune arme auto-guidée, j'ai l'impression, déjà en combat. Ça, c'est violent. Oh putain. Hop. Voilà. Crac. On aura besoin d'un petit peu plus de force. Hop. Voilà. Hop. Dommage. Là, j'aurais fait un gros coup de stress, à mon avis. Si on peut choper une tour, ça serait bien, les mecs, de choper la tour. Ah. Il y a personne pour la prendre. Il y a personne. Il y a absolument personne. Et ils vont se faire bombarder comme des... Bien. Bien ce que t'as fait là. Hop, et on en repère. Voilà. Alors, vont-ils réussir à choper cette tour? Ouais, choper celle-là déjà. Hop. Ok. Ok, je me fais encore sniper. Et merde. Et dommage. Dommage, dommage, dommage. Bon bah j'aurais fait ce que j'ai pu. J'aurais fait ce que j'ai pu. Hop. J'aurais fait ce que j'ai pu. C'est pas grave. Ah 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 ah. Qu'est-ce que c'est? Oh, d'accord, oui, je vois ce que c'est. Bon bah tant pis. Bon bon bon. Eh ben écoutez, double défaite, hein. Double défaite. Fais chier. Fais chier, fais chier, fais chier. Est-ce que ça vaudrait pas le coup? Je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Il me reste 5 boosts. Combien qu'il y a de différence entre le... 2. Donc techniquement, je pourrais mettre 2 comme ça.
Techniquement, je pourrais mettre 2 comme ça. Ce serait peut-être mieux. Encore faut-il savoir où est-ce que je peux les placer. Ah ah. C'est là qu'était le véritable point faible. Hop. Ok, est-ce que par exemple là, il passerait? Non, forcément. Du coup, je viens de tout enlever pour rien. Ok. Profitons-en pour faire l'autre côté aussi. Ok. Et enfin, un cube comme ça qui revient reconstruire tout ça. Ce robot manque de punch. Hein. Clairement. Il manque clairement de punch. Il a la vitesse, il a tout ce qui va avec. Mais le punch, il ne l'a pas. Il manque de plusieurs choses en fait. Donc. Comment que je pourrais faire ça? L'obliger à se coller au sol. Si je rajoute un cube là, est-ce que je peux placer ici? Non. Je ne peux pas. Ok. Donc je reprends ce cube là parce que c'était celui-là. Voilà. Ici, est-ce que je peux en rajouter un? Donc là, pour faire demi-tour, ça aurait été parfait, mais non. Ouais. Ou alors je casse le code. Je casse le code, je mets ça comme ça. Je le fais partir dans l'autre sens. Non, pas comme ça. J'ai de trouver le bon sens, mais c'est pas facile. Voilà, comme ça. Hop. Voilà. Et normalement, là, je devrais pouvoir être en mesure d'en mettre un comme ça. Ici. Voilà. Même si je voulais, je pourrais en mettre un deuxième. Ok. Ça, c'est bon à savoir. Ok, ah mais vous allez arrêter avec vos textos, c'est chiant. Je sais bien que j'ai lancé un débat, mais quand même. Ok. Et j'ai que 11 points, du coup il voudra pas le mettre. C'est ça, ouais c'est ça. J'enlève la protection à l'avant, c'est pas grave. Hop, voilà. Voilà, donc là il pourra plus facilement plonger au sol. Même si je reconnais que ça me fait chier d'avoir enlevé la protection à l'avant. Mais enfin bon. C'est comme ça. On reverra ça avec les différents flops qui reviendront. Il y a un bruit bizarre, non? C'est moi? Ça doit être moi. Bizarre. J'ai cru entendre un bruit étrange. Bon. Bah écoutez, on verra bien s'il est plus efficace avec ce genre de booster hein, pour contrebalancer les effets de la gravité. Ouais. Et on verra aussi ce qu'on peut faire au niveau des dégâts prochainement, une fois qu'on aura atteint des plus hauts niveaux. Eh bien écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom dans votre lien dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous précise encore une fois à nouveau que c'est moi qui choisis quand je fais un plateau et avec qui j'en fais. Faut passer par Steam pour ça. Voilà.
Est-ce que j'avais d'autres choses à dire? Je ne sais plus, on verra ça une prochaine fois, chers amis. C'était Marcus Menus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yop.